Ouais, ça, ça c'est le pied gauche d'un mec qui revient de vacances, ça. Mais je pensais pas que t'allais venir comme ça en soum-soum. Ça va? Ça va, toi? Tu vas bien? Ça a été les vacances? Bah écoute, super. Hein. Ouais, ça revient? Ouais, je suis revenu le 21. Je suis parti le 12, donc j'ai raté le stage. Mais bon, j'ai vu que ça avait l'air cool, en tout cas, vous êtes bien amusé. Ouais, ça. T'as réussi à te préparer un peu quand même physiquement ou ouais, t'as vraiment. Ouais, j'ai fait de la rando, j'ai marché, j'ai beaucoup marché. C'était cool, et maintenant c'est lui qui va marcher là-bas, puisque lui part en Afrique du Sud. Ah ouais, je te fais un petit peu de pub, je dis que tu pars en Afrique du Sud. Alors comme ça tu pars en Afrique du Sud? Ah gros, voyage hein. On bosse pas pour rien hein. Ouais, je repars, je suis en vacances et là je repars en septembre. Ah ouais, septembre, ouais. Tout seul ou avec des potes? Non, je pars avec ma copine, tu vois. Ah voilà, ouais, faut faire plaisir un peu. Ouais, ouais. Donc tu t'abandonnes les villes qualifiées pour partir en Afrique pour l'Afrique du Sud, mais bon, je pense que vous allez tous me comprendre hein. C'est pas la même chose hein. Bon, toi t'as réussi à te préparer un peu physiquement ou ouais, t'as vraiment... Ouais, non, j'ai fait un peu de sport pendant les vacances et puis bon là je vais partir 2 semaines, je vais faire un peu de trek, un peu de rando. Mmh. Donc t'inquiète pas, je vais revenir, je vais être affûté, t'inquiète pas. Faut que j'interview le double buteur là. Ok, je vais l'acheter. Deux buts. J'étais pas là dimanche, j'étais sur le montage aujourd'hui, putain tu m'as fait plaisir. Ah mon gars. Franchement, bien ouais. Mais en vrai, franchement de la réussite mais un peu de chance aussi, faut dire les choses. Ouais mais franchement fallait les mettre hein, surtout le premier. Non. Le premier tu as vraiment bien. La frappe. Ouais, ouais. Elle flotte bien et tout. Ouais, franchement elle est pas mal. Bon alors tu t'es senti comment sur ce premier match? Bien, reprise compliquée physiquement. Fini. Mais sinon dans... Ouais, t'as pas fini. Il vient de mettre un pétard, c'est incroyable. Non honnêtement, franchement je me sentais bien. Physiquement un peu compliqué parce que c'est la reprise. Mais sinon dans le jeu, bien, on a des putains de recrues, des super joueurs cette année, on est trop contents et on attend dans la suite comment ça se passe quoi. Tu as senti l'apport des recrues pendant le match? Ouais, vraiment. Je pense qu'honnêtement tu regardes que les anciens, il n'y a pas 4-0. Allez, venez par là. Non, franchement ça s'est senti. Trop bien. Je vais double buteur. Oh, arrêtez, ça y est. Ça va me porter préjudice, je vais pas marquer. Allez, je vous laisse me rapprocher de Max. Je suis vraiment impatient qu'il marque un but. Qu'il fasse une petite célébration mouette là. Moi. Bon alors ce premier match est bien. C'est une belle victoire, ouais. Ça fait plaisir. Hein, il croit il est ailier droit alors que c'est un arrière droit. Ouais. Il a pas capté. Ouais mais parce que... Non dis pas parce que l'autre il était trop bas. Non. Il l'a pensé fort mais... Il l'a pensé de fou. Non mais c'est... Ouais. Non mais c'est le temps de... Tu vois avec les nouveaux coéquipiers de se mettre d'accord sur qui monte pas. C'est tout. Mais Nero m'a bien parlé pendant le match. On est déjà là. Bon les gars, c'est la reprise. Bon c'est pas le premier entraînement hein, mais moi en tout cas c'est une des premières fois que je reviens avec beaucoup des nouveaux, des anciens et tout, vraiment un effectif vraiment bien étoffé. Et cette saison, on a la chance d'avoir Sporizy qui nous accompagne une seconde fois. Donc un grand merci à eux déjà, grosse force à vous parce que grâce à vous, on va pouvoir entamer cette saison de la plus belle des manières. Surtout que Sporizy, on l'a déjà dit la saison passée, mais je le répète, c'est une manière vraiment de s'organiser pour toute la saison et de communiquer avec entre le staff, les joueurs, c'est super important. Chaque début de saison, il y a toujours une galère, c'est les licences. Ben Sporizy ont intégré une fonctionnalité qui s'appelle adhésion. En gros, au lieu de renvoyer le RIB du compte bancaire du club, etc., vous avez dans l'application une manière de pouvoir faire payer les gens. C'est comme s'ils faisaient un achat sur internet, donc c'est très simple. Donc s'il y a des dirigeants qui nous regardent, comme par exemple Nathan Darbonnel, qui n'est pas du tout un dirigeant, c'est un joueur, c'est un joueur de champ. Mais s'il y a des dirigeants qui nous regardent, vous pouvez tester pendant un mois gratuitement la version payante de Sporizy. C'est dans la description, il y a un lien, cliquez, vous checkez et vous verrez, ça va beaucoup vous aider. Nathan, est-ce que c'est vrai? Tu reçois les notifications? Qu'est-ce que je ferais sans Sporizy? Comment j'ai su l'horaire d'entraînement d'aujourd'hui? Sporizy? Ouais, et comment j'ai su que j'étais convoqué à l'entraînement de Sporizy? Sporizy? D'aujourd'hui. Comment, tu vois, Sporizy, ça rentre dans mon vocabulaire carrément. Dans ta tête. Alors, tous les joueurs maintenant, c'est un réflexe, ça c'est super important. Et ça aide vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Les gens commencent à être beaucoup dans le club. Maintenant, on va être environ 70 licenciés en tout avec les jeunes et les adultes. Ça commence à faire beaucoup. C'est une belle structure. Donc au début, on était 15. Ouais, c'est sûr. Même un peu moins, je crois. Parler très rapidement avec toi parce que là on disait à la caméra juste avant du coup Sporizy nous raccompagne une nouvelle saison, donc déjà un grand merci à eux, c'est très gentil, plaisir ça.
Et du coup, on voulait juste parler du fait que bah, toi, ça te facilite grandement les choses, notamment pour le match, etc. Les sélections des joueurs et tout, t'envoies des messages, comment ça se passe toi, ta petite routine Sport Easy pour les matchs? Ma petite routine, c'est que tous les dimanches ou lundis, j'envoie pour les entraînements. Le mardi, jeudi directement, je fais les deux. Comme ça, je vois les présences. Je peux du coup adapter mes entraînements par rapport au nombre de joueurs qu'il y a. Ouais. Et donc, du coup, ce qui est important, c'est que bah, dimanche, tu as convoqué les nouveaux aussi. On a pu les intégrer sur l'application, donc avec le tableau d'effectifs. Ah, tu as tous les joueurs, les anciens et les nouveaux, donc tu as tout ton groupe pour pouvoir les. J'avais un visuel totalement complet sur l'effectif et du coup, ça m'a permis de faire plusieurs équipes, de les préparer en amont. Pour tourner, ouais. Et ça, c'était plutôt cool parce que du coup, ça m'évite de le faire sur le banc en deux minutes. Tout était prêt avant le match et j'avoue, ça, c'était nickel. Premier match, premier but, ça fait plaisir. On espère que ça va se répéter pour les prochains matchs. Merci. Mais on est content, ça fait du bien. Ouais, physiquement, tu te trouvais quand? J'étais fatigué, je vais pas te mentir. J'étais fatigué de ouf. Mais après, avec le rythme, ça va venir. En vrai, ça va venir, tout doucement. Ça, c'est grâce à la gasolina. Ouais, gasolina. Il a compris. Ok les gars, on est à Argenteuil le dimanche 28 août, match amical. On le sait, les matchs amicaux c'est jamais vraiment totalement amical parce qu'on veut toujours bien sûr gagner pour se mettre dans les bonnes conditions pour la saison qui va commencer en septembre. Donc on affronte l'équipe de Vincent Queijo, eux ils jouent ici en fait en dimanche matin, compétition dimanche matin, donc c'est ultra long. Les joueurs s'échauffent, on est tranquille, voilà, la météo est parfaite, donc c'est top. Je voulais vous parler rapidement, parce que vous l'avez vu dans l'épisode, on vous parle un peu de Sport Easy. Il y a un truc important, c'est la messagerie du club, parce que je sais que des fois, vous savez pas trop comment vous parler entre vous, en fait, dans un club, entre les joueurs, les coachs, etc., entre WhatsApp, Instagram, Snapchat et tout le bordel. Donc là, avec Sport Easy, vous avez une messagerie du club qui est intégrée dans l'application. Ça, c'est ultra pratique. Donc surtout les coachs, là, je vais juger personne, mais souvent les coachs sont un peu plus âgés que les joueurs, forcément. Et du coup, ils ont pas forcément Snapchat, tu vois, ou... Tu vas pas mettre ton coach dans un groupe Snapchat, un peu bizarre. Donc là, au moins avec Sport Easy, vous pouvez avoir une conversation juste pour le foot, pour les matchs, pour les entraînements. C'est hyper pratique et nous, en tout cas, on l'utilise et ça fonctionne très très bien. Encore une fois, le lien est dans la description. N'hésitez pas à cliquer pour découvrir le foot. Voilà, je vous parlais de lui il y a quelques instants, donc Vincent, qui est du coup le capitaine de l'équipe adverse et qui nous accueille aujourd'hui. Le capitaine n'a pas encore désigné. Ah c'est vrai, autant moi, je vais créer des gros problèmes dans l'équipe là. Non, mais en tout cas, j'ai pas besoin du brassard pour me comporter en tant que tel. Oh là là, il est... On verra, est-ce qu'il sera exemplaire sur le terrain? On va essayer. Je suis venu voir un match debout, c'était très très cool, très drôle. Ouais. C'était très sympa, il y avait pas mal d'animation. Ouais, un petit peu. Bon, du coup, explique-nous un petit peu ton club en fait. J'ai dit que vous jouez le dimanche matin, c'est ça? C'est ça, ouais. Bah, nous, c'est une association en fait qui a été créée. C'est un groupe très familial. Ouais, ouais. Bah, nous, on est tous des amis depuis plus de 15 ans. C'est ça. On se retrouve tous en vacances. Tous nos enfants sont comme des cousins, cousines. Donc, okay. Donc voilà, des amis qui jouent au foot ensemble et qui ont commencé en D2 du dimanche matin et qui aujourd'hui se retrouvent en R1. Donc le plus haut niveau, c'est le maximum. Voilà, c'est le maximum. Et donc, du coup, on a rendu ça un petit peu plus sérieux parce qu'on a vu le niveau. Et on a dû hausser notre niveau aussi en recrutant, en s'entraînant. Ah là, vous avez recruté du coup des nouveaux joueurs là pour la saison prochaine? Là, on essaye, on n'essaye pas, on a signé 2-3 joueurs qui jouent aujourd'hui. C'est cool. Ouais. Voilà, il fallait se renforcer un petit peu par rapport à l'année dernière. Ok. Et on a pas mal de monde quand même cette année, on attend une bonne saison, on espère une bonne saison en tout cas. Ok, c'est cool, bah je vous mets le lien dans la description des réseaux pour trouver les clubs, ça peut être très cool. Ouais. Merci beaucoup Vincent en tout cas. Merci à toi. Et pour le match, à toi. Merci. Bon, ça, comment ça va? Ça va, écoute. Tranquille, la reprise? Ouais, une bonne reprise, hein. On a attaqué début août. On est là depuis le début, donc ouais, on a fait un bon travail physique là sur le mois. On a validé ça la semaine dernière là avec un premier match amical qu'on a gagné, on a bien joué. Après aujourd'hui, de ce qu'on nous a dit, ça va être une autre paire de manches, tu vois. Ça va être un autre niveau. Donc, dans le cadre de la préparation, c'est bien. Les nouveaux, là, on va pouvoir les tester sur un niveau de match supérieur. Donc, non, hâte de débuter. Thank you.
Arrive, Vincent.
C'est ce que je reproche, c'est que même sans ballon, vous êtes beaucoup trop gentil. Vous avez pas ce truc de vicelard là. Vous avez pas ce truc de rentrer dans la gueule de quelqu'un, même s'il y a faute, tant pis. Il y a plein de choses, ça va se mettre en place. Courez, ne trichez pas. On a vu Djibril commencer à être un peu fatigué. Qu'est-ce que j'ai dit quand on est fatigué? On va plus vite, on lâche la balle, on lève la tête. Et après on dit, hop, coach, on sort. Mais c'est bien, soyez indulgents avec vous les gars. Et arrêtez d'être derrière le joueur, là, viens Abdel. Vous aimez trop faire ça, là, ça me stresse. Là, le joueur, il est là, et vous êtes là, vous prenez le ballon. Non, putain, il est là, et vous le faites chier. C'est ce qu'ils vous font tous. Faites-les chier, c'est trop facile, là. Ils ont là, ils attendent le ballon, ils ont le temps de contrôler, de se retourner, de dire bonjour à leurs potes et machin. Non, putain, allez sur eux, allez-y. Rentrez-leur dedans. Hein. Deuxième. Tiens, tout.
Bien joué. On débutera tout ça, vous prenez pas la tête, soufflez, reposez les corps. Rendez-vous mercredi les gars. Non, on a fait un bon match. On a fait un bon match. Donc on a fait un bon match. Après on a pêché un peu physiquement, c'est normal, c'est la partie de la prépa. Il y a eu des bons. Il y a des schémas qui commencent à se mettre en place avec les nouveaux et les anciens. Donc c'est plutôt bien. Après voilà, encore une fois, ça reste un match de prépa. Donc nous, moi j'ai plus regardé en tout cas l'aspect physique des gars. Et toi un peu plus le côté tactique, mais... Et toi? Enfin, moi je pense qu'on manquait un peu d'expérience, de ballon. En face, il y avait de l'expérience, il y avait du ballon. Ça nous a pêché un peu. Après par contre, je pense qu'on avait un peu plus de jus offensivement. Après on a peut-être plus de joueurs sur le banc aussi, mais je pense qu'en fin de match, on a réussi à faire la différence pour revenir au score.
Après, il y a eu beaucoup de bonnes choses, comme dit Romain. Après, c'est une équipe qui est en création aussi, encore une fois, beaucoup de recrutement, donc il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble. Et il y a beaucoup d'anciens aussi qui ne sont pas encore revenus de vacances. Donc il y a encore du taf, mais c'est de bon augure, il y a beaucoup de bonnes choses. C'est cool. C'est un bon dimanche. À deux semaines de la Coupe de France, c'est pas mal. Ouais, c'est cool.